La drogue saisie provient de Malanville, au Bénin. Par pirogue motorisée à travers le fleuve Niger jusqu'à Gaya, où des motocyclistes assurent le transport terrestre sur diverses destinations. Cette saisie et bien d'autres effectuées récemment confortent le constat que la région de Dosso devient progressivement le hub d'un important trafic de stupéfiants par le vecteur fluvial en provenance du Bénin. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à environ 11 046 000 francs CFA. En marge de cette saisie, il faut aussi saluer les efforts de l'unité de police secours qui a saisi dans la ville de Niamey 40,61 kg de cannabis et interpellé un individu. Devant l'ampleur de cette réorganisation du trafic de stupéfiants qui révèle l'émergence de nouveaux modes opératoires, l'OCRTIS appelle les populations riveraines du fleuve Niger à plus de vigilance et de collaboration afin de lutter efficacement contre le trafic de drogue au Niger.